Yes, salut, salut à tous, bienvenue dans la vidéo DJ Tips avec moi-même, Hurricanix, tu connais déjà. Aujourd'hui, on va voir comment enregistrer un podcast live en multipiste. Attention, on y va. DJ Tips. Yes, alors on continue notre petite série sur comment enregistrer un podcast et aujourd'hui, on voit notre dernière méthode, comment enregistrer un podcast live en multipiste. Et je vais aussi vous dire pourquoi la Rain 62 reste la meilleure des meilleures des tables. Vous allez comprendre tout seul, j'ai même pas besoin de vous expliquer, vous allez comprendre à la fin de la vidéo, vous allez dire, mais pourquoi on ne l'a pas dit avant? J'aurais gardé la table, j'aurais acheté cette table, franchement, vous allez voir. Et monsieur les constructeurs, bah, prenez-en de la graine parce que celle-là, c'est vraiment la reine des reines des reines. J'en dis pas plus, rendez-vous à la fin de la vidéo et tu me diras en commentaire si vraiment ta table vaut mieux que ça. C'est toi qui vois. Donc, revenons-en au titre. Le titre, c'est comment enregistrer un podcast live en multipiste. J'espère que je n'ai pas mis un autre titre parce que sinon ça va être compliqué. Mais en gros, c'est ça. Comment enregistrer un podcast live en multipiste. Et le mot très important ici, c'est multipiste. Multipiste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as plusieurs pistes. En général, dans les méthodes qu'on a vues précédemment et quand on enregistre un mix traditionnellement, on récupère la somme des voix 1 et des voix 2, 3, 4, etc. en un seul fichier qui est le mix final. Mais là, ce que je vous propose, c'est de récupérer séparément chaque source audio. C'est-à-dire qu'ici, j'ai une table de mixage qui a deux voix. Je vais récupérer chaque voix séparément. Donc la voix de gauche avec la platine de gauche et la voix de droite avec la platine de droite. Et je pourrais même rajouter le sampler qui pourrait être une troisième voix. Et tout ça, ça permettra de récupérer un prémix en fichier séparé. C'est ça qui est vraiment très important pour ensuite, si je le désire, faire la somme totale et avoir le master global. Mais du coup, grâce à ce prémix, je peux modifier pas mal de choses. Donc ça reste toujours du mix live, mais par exemple, si tu as fait quelques petites erreurs, etc., et que tu veux modifier, supprimer ou embellir, rajouter des effets, des samples, etc., ça reste possible avec cette technique. Ok, alors qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut une table de mixage compatible avec cette méthode que je vais vous expliquer bien sûr. Donc moi j'ai choisi la Rain 62 parce que je suis sûr à 100% qu'elle le fait et c'est bien pour ça que je garde la 62 parce que les autres ils le font pas. Exemple la S9, non, ça marche pas. Et franchement c'est une table qui est quand même plus récente que la 62 et ça fait pas. Donc vraiment tu peux commencer à partager et taguer Pionnier en demandant elle est où l'update? On veut l'update, on veut pouvoir faire cette méthode pour enregistrer nos podcasts. Quand même, c'est la moindre des choses. Reloopélite, pareil, la Reloopélite, elle ne le fait pas. C'est un truc de fou, la table, elle est sortie il y a moins d'un an et elle ne le fait pas non plus. Les boîtiers SL2, SL3, SL4, ça marche. J'ai testé il y a longtemps, mais ça marche. C'est une méthode que vraiment j'utilise depuis très longtemps, depuis que le bridge a disparu. Donc voilà, pour les anciens qui étaient sur Scratch Live et qui ont kiffé le bridge, moi j'ai trouvé cette solution du multipiste. Voilà, ça c'est vraiment une parenthèse de gars anciens. Donc vraiment, checker le matériel avec lequel vous allez devoir l'utiliser parce que malheureusement, ça ne marche pas avec tout. Donc là, on va utiliser la Rain 62. Deuxième chose, il nous faut un ordinateur avec un logiciel audio pour enregistrer ce fameux multipiste. Donc moi, j'ai choisi Ableton, bien entendu. Donc là, on va voir la configuration de Ableton. Mais ça marche encore une fois avec tous les logiciels de MAO, même avec Audacity. Donc n'hésitez pas. Ok, nous voilà sur Ableton et la première chose qu'il y a à faire, c'est aller régler les préférences. Donc, commande, virgule, voilà, le petit raccourci cadeau, voilà, ça fait plaisir. Et je vais aller dans Audio Input Device, donc périphérique, entrée audio. Et je vais choisir la Rain 62. Et là, je vais aller dans Input Config, donc la configuration des entrées. Et je vais activer toutes les entrées stéréo. Tu peux aussi activer les monos, mais nous, on ne va pas s'en servir. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12. Donc ça, c'est toutes les entrées que dispose la table de mixage. Parce que tu l'as bien compris, la table de mixage est aussi carte son. Donc on fait OK. Pour le périphérique audio out, je le laisse comme ça, ça me va très bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais fermer et je vais aller régler directement les pistes. Donc là, les pistes MIDI de la template de base, on les supprime. Voilà, j'ai deux pistes audio. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les renommer. Commande R et je vais appeler gauche pour ma piste de gauche. Hop. Et je vais appeler droite pour ma piste de droite. Hop, je fais tout ça à une main, je suis vraiment incroyable. Ok, donc là c'est le moment où on va assigner les pistes. Si tu as une table qui a 4 voix, et bah tu feras 4 pistes si tu utilises les 4 voix. Voilà, tu feras 1, 2, 3, 4, tu les renommes comme tu veux. Donc moi j'ai une table qui a 2 pistes et on va utiliser que 2 pistes aujourd'hui. Donc j'ai ma piste gauche et on va lui assigner l'entrée 1, 2. Et ma piste droite, on va lui assigner l'entrée 3, 4. Donc ça se situe ici. Et ce qui est hyper bien avec Ableton, c'est que si jamais j'envoie du son sur ma piste gauche, et ben je le vois directement sur quelle entrée le son il va arriver. Donc là, je fais rentrer du son dans le Ableton et je peux voir qu'il y a la piste 1-2 qui s'active. Donc là, je sais que c'est la piste 1-2. Donc je vais la mettre en 1-2. Hop, parfait. Et maintenant, on va tester pour la droite. J'ai chargé un son aussi sur la droite et je vais vérifier.
et on voit très bien le niveau apparaître sur la piste 3-4. Donc je choisis 3 cartes. Ok, donc là on a réglé nos entrées. Donc on a la piste 1 qui est la voie de gauche qui va aller dans ma première piste que j'ai renommée gauche et qui s'active en 1-2. Et on a la piste droite qui est la voie numéro 2 qui va aller dans la deuxième piste que j'ai renommée droite et qui va s'activer en 3-4. Donc là, on est bon, tout est prêt. Maintenant, il faut enregistrer. Donc pour enregistrer, il faut armer les pistes. Ça, c'est très très important. Mais il faut armer les deux pistes. Donc pour pouvoir armer une piste, on appuie sur REC. Mais si j'appuie sur l'autre, ça ne marche pas. Donc on va appuyer sur le raccourci commande plus REC. Et là, on a les deux pistes qui sont activées en pré-enregistrement. Et la dernière étape, c'est de lancer l'enregistrement final. Donc on appuie sur le petit bouton REC qui se trouve en haut à gauche. Ok. Ok, donc je vais faire un petit mix afin que ça s'affiche à l'écran. Je ne vais pas mettre trop fort, histoire que je ne me fasse pas bannir pour les droits d'auteur, etc., etc. Donc on va essayer d'esquiver tout ça et on va voir ce qui va apparaître. Voilà, le mix est terminé. J'ai volontairement mélangé les deux voix qui est pas très joli, mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça et pourquoi c'est super utile d'avoir un multitrack. Allez, on y va. Donc je repasse sur Ableton et j'arrête l'enregistrement. Hop. Et on peut voir mes deux tracks. Donc ma track de gauche et ma track de droite. Donc si j'écoute en solo, exactement ce que j'ai reproduit sur la platine de gauche. Et si j'écoute en solo la platine de droite, on y est parfaitement. Et si j'enlève le solo et que je fais tourner les deux, on a exactement la somme gauche et droite. Donc ici par exemple, c'est pas très joli d'avoir les deux voix qui se chevauchent. Donc ce que je peux faire avec le multitrack et la magie du multitrack, ce que je peux décider, c'est qu'à partir d'ici, je supprime tout. Bam! Et là ton mix, il est parfait. Que dire de plus? Que dire de plus? Ou encore rajouter un petit délai. Hop, voilà, on sait qu'ici il y a le délai. 4, 2, faire une petite automation de délai qui va partir jusqu'à la fin. Je ne sais pas si on l'entend bien. Un peu plus forte. Comme ça, petite transition smooth. Parce que sur le feu de l'action, c'était super, je m'amusais, j'étais en train de scratcher, de refaire les trucs, etc. Mais en fait, quand tu réécoutes, c'est pas top top. Donc ça, le multitrack te permet de rajouter des petits effets, de supprimer des endroits, de recaler si tu as besoin de recaler, etc., etc. Voilà, et une fois que j'ai fini tout ça, je peux décider si oui ou non, j'exporte. Donc commande Shift R et j'ai décidé d'exporter en Wave, en MP3. On verra ça plus tard dans une prochaine vidéo. Oui, 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 ne vous inquiétez pas. Donc voilà, on a fait quelque chose d'assez rapide pour l'exemple, mais vous en doutez bien, vous pouvez aller très 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 loin dans les fonctions. Donc on a enregistré le mix en live, et puis après on peut faire de la post-prod, rajouter des choses, enlever des choses, recaler, rajouter des sons si tu as besoin, rajouter des effets, bien mixer, bien masteriser. Si tu as eu des problèmes de volume pendant le mix, tu peux réajuster, donc ça c'est vraiment hyper hyper pratique. Donc c'est pour ça que la Rain 62, encore une fois, reste vraiment une des meilleures tables. Elle te permet de faire ça, alors que d'autres, non. C'est toujours bloqué en 2000, alors que l'interaction avec Serato DJ, Recordbox, Ableton, Logic, etc., ça existe depuis un moment quand même. L'échange de MIDI, l'échange de BPM, ça existe depuis un moment. Donc on aimerait bien voir apparaître cette fonction un peu plus souvent, surtout sur des tables qui coûtent quand même plus de 1 000 €. Ça fait quand même très cher pour être aussi limité en fonction. Donc je redis, la S9 ça marche pas du tout, la 72 je crois que ça le fait pas, la Relopelite encore une fois ça le fait pas. Tout ce que j'ai à dire, c'est qu'est-ce que vous foutez les marques? Pourquoi vous nous bloquez dans votre créativité? Donc conclusion, voici le multipiste aka le multitrack. C'est vraiment un truc de fou. Donc si vraiment tu as besoin de faire des podcasts de type
mixtape. C'est vraiment comme ça qu'il faut le faire. Donc voilà, c'est tout pour moi. Dites-moi dans les commentaires si vous avez kiffé cette méthode, si vous la connaissiez ou non, si vous étiez de l'époque du bridge à l'époque sur Scratch Live et maintenant vous étiez désarmé. Ben maintenant, voilà, je vous ai apporté une solution et qui est un mini bridge. Partagez cette vidéo, vraiment, taguez les constructeurs. Peut-être qu'il y aura une update, peut-être que tout le monde pourra avoir cette fonction parce que vraiment, c'est super utile pour avoir des petits mix bien léchés et surtout avoir un bon master, etc. Donc n'hésite pas à laisser un petit commentaire pour la série Comment enregistrer son podcast. Et ben, j'ai vu toutes les méthodes, franchement j'en vois pas d'autres. Et il nous reste une vidéo de la série à tourner, peut-être deux, mais une sur c'est comment masteriser son podcast. Donc cette vidéo elle va arriver très prochainement vu qu'on a fini la série. Comme ça vous pourrez enregistrer votre podcast, masteriser votre podcast et l'uploader où vous voulez. Et peut-être qu'on fera une vidéo sur où est-ce qu'il faut l'uploader, on sait pas. En tout cas si ça vous intéresse n'hésitez pas à mettre un petit commentaire aussi. Et on échange aussi sur YouTube, sur Facebook, le repère du DJ, oubliez pas. Et voilà c'est tout pour moi, c'était HurricaneX. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Et je vous souhaite en attendant un bon mix. Peace.